que le pape vienne ou pas, cela ne change rien. Parole tenue là par le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, vitrine du régime en place. L'arrogance, tel est le mode opératoire des autorités congolaises qui ne cessent depuis de briller là par leur outrecuidance, véritable parole d'évangile, aux envolées là lyriques qui ne sont là qu'autant de déclarations de guerre à l'endroit de tous ceux qui s'opposent à leur vision manichéenne, qui relève l'âme d'une torture mentale que d'un fair play. La diplomatie, vous savez, a ses règles qu'il ne faut jamais la trahir, et ils sont suffisamment mieux placés pour le savoir. Mais que voilà. Ils n'en tiennent pas compte, et continuent là à briller par leur folie outrancière d'excès en tout genre. Oui, par leur omniscience, et en particulier le porte-parole du gouvernement vitrine de ce régime. Oui, rien ne va en République démocratique du Congo, et les autorités en place ne font là mais qu'attiser le feu, en retardant là les échéances par des tours de passe qui ne surprennent plus personne. Je reviens ici sur les propos du Saint-Père et je cite: j'ai annulé mon voyage qui était programmé au Congo avec Kabila. Ça ne va pas du tout. Voilà que le porte-parole du gouvernement pris dans un tel furax et porté là dans sa fourberie qu'il en oublia les règles de bon usage. Si le sage était bien portant, il aurait là sans doute su l'interpeller pour ne point agir ainsi. Oui, nous avons là un réel problème. Mais nul n'est dupe dans la théorie du complot. Le Congo est un pays de tradition catholique. Le Saint-Père n'a fait que souligner l'absurdité de la crise congolaise confrontée à un mur de malentendus qui n'entend rien du tout, alors que tout a été fait pour nous sortir de cette crise qu'ils ont introduite dans une impasse où ils ont pris tout un peuple en otage et en violation de tous les accords et des textes qui en font loi. La venue du pape au Congo aurait sans doute été d'un tel apaisement pour nous sortir de cette mauvaise blague qui ressemble plus à une vente aux enchères, à l'image de ce qui se passe à présent au Congo. Alors, comme je le disais tantôt, la venue du Saint-Père nous aurait permis là d'apaiser les choses à l'image de ce qui se passe en Colombie entre les FARC et le gouvernement en place. Une belle victoire du Saint-Père par son implication dans la gestion de cette crise qui a duré plus d'un demi-siècle. Une grosse bêtise et une grosse erreur stratégique que les propos tenus là par ce dernier. Étant la vitrine du régime, le porte-parole du gouvernement s'autorise des excès qui nuisent largement à ce régime et nous en voilà que des signaux alarmants, des messages plus qu'inquiétants sur la suite des événements et du bon déroulement des accords du Saint-Sylvestre.
Et nous comprenons bien par là que l'avenir du Congo est à ce jour incertain. Tant qu'ils continueront à jouer à ce statu quo, pendant que les foyers de tension se multiplient, je crois que désormais le peuple congolais sait ce qu'il lui reste à faire. Il n'y a pas plus de mystère sur leurs véritables intentions. Oui, pas plus de mystère sur les intentions de ce régime qui est décidé d'aller jusqu'au boutisme dans sa théorie du complot qui t'a traîné là le pas pour gagner du temps avant l'assaut final du fait accompli de la balkanisation de la République démocratique du Congo et ses alliés. Oui, j'enrage, mais poliment, que la mauvaise foi s'impose de la sorte. Oui, la mauvaise foi ne fait que là gagner du terrain et elle n'est pas prête à plier la bagage. Et c'est à la bonne foi de comprendre et dorénavant, elle sait désormais en quoi s'en tenir. Le peuple congolais doit absolument sortir de cette crise. Oui, le peuple congolais doit, mais absolument, sortir de son attentisme s'il veut ou s'il ne veut pas tout perdre et parler du Congo au passé. En tant qu'État-nation, et parler du Congo au passé, en tant qu'apatride, il doit absolument sortir de cet état léthargique afin là de renverser la vapeur, mais à sa faveur. Et par conséquent, de reprendre la main et de prendre là sa destinée. Alors que tout a été mis en place pour décrisper là la situation, voilà que la mauvaise foi revient en fanfaronnant comme un corpus de la mauvaise volonté qui n'avait cédé du terrain que sous la contrainte. Oui, qui n'avait signé les accords de la Saint-Sylvestre que sous la pression de la dite communauté internationale qui était prête à lâcher là le peuple congolais de sa retenue et pour sauver là la face sans vraiment trop y croire. Voilà qu'ils ont là battu en retraite, stratégiquement pour mieux rebondir par la suite. Aucune intention de mettre en application ces accords de Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, seul le peuple congolais détient là la clé de ce dénouement, de son succès, donc de son indépendance. Les politiques ont montré là leurs limites et c'est au peuple congolais de se prendre en main s'il tient véritablement à son intégrité territoriale. À bon entendeur, salut. Au-delà des mers.
cherche sa voie par la croix. Mais une foi sans loi, pour une foi sans toi. Mais une foi qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est